Cet atelier a été fait pour répondre à une problématique des créateurs guadeloupéens et à plus grande échelle caribéens sur le sourcing. Donc c'est vrai qu'on a parlé de l'accompagnement, de la formation, mais quand on parle aussi de création, il faut penser à l'approvisionnement. Nous avons parlé de sourcing et nous avons insisté sur l'importance du sourcing des matières. C'est un vrai problème, d'autant que l'offre disponible dans la région Caraïbes n'est pas très très compétitive. Donc nous avons souligné qu'il fallait professionnaliser et internationaliser la recherche des meilleures offres de tissus dans le monde. Et nous avons souligné aussi que le sourcing matière posait des problèmes de toute nature, notamment financiers, puisque ça compte beaucoup plus dans un prix de revient industriel que les salaires des salariés eux-mêmes. Nous avons évoqué une autre question qui est celle de l'existence même en réalité d'une industrie de l'habillement en Guadeloupe et dans la région Caraïbes. J'ai suggéré que l'on crée, ou en tout cas que l'on recherche les possibilités de création de ce que les anglo-saxons appellent un cluster, c'est-à-dire un groupement d'entreprises que nous aiderions dans toute une série d'activités, ceci donc dans l'idée de mutualiser les moyens et de permettre aux jeunes talents qui sont nombreux en Guadeloupe de pouvoir développer leur activité, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens pour le faire.